Et bonjour à tous les amis, c'est Brazé, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 14 décembre 2023. Donc avec, si je vois bien, je sais pas si c'est les voitures en premier parce qu'à chaque fois il y a un petit bug. Je vais... Ouais d'accord. J'ai essayé de passer le petit bug, donc c'est ça, je pense que c'est bien ça. Voilà, oui, donc on commence par... Donc le pack Jaguar 619, donc... Avec la Jaguar 619, donc avec son châssis atypique et ses stickers typiques, donc avec Pro du circuit, Euphorie, Kraken, Avis de tempête, Rayure et le sommet, tout ça pour 2500 V-Bucks. Après, vous avez le pack diesel, pardon, d'abord c'est le pack diesel. Donc le châssis diesel en rare avec son sticker 00 rare, le numéro 7 c'est un sticker épique, flamme c'est typique, aile c'est typique, éclair c'est typique et rayure c'est typique, tout ça pour 4000 V-Bucks. Le pack cyclone, donc avec la cyclone avec le châssis atypique, donc avec ses stickers typiques avec Pat Boy, flamme, Lita 99, Sliver, les rayures et Witou, tout ça pour 2500 V-Bucks. Donc la Jaguar, je viens de la montrer. On commence ensuite avec les styles emblématiques, avec le pack Galaxy qui fait son retour, donc avec l'éclaireuse Galaxy en tenue légendaire et sa version Lego. Le trou de verre, c'est son accessoire de dos légendaire. Les surins étoilés, c'est sa pioche hippique. Le Celestia, son petit planeur rare, donc tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez l'éclaireuse Galaxy en tenue légendaire avec sa version Lego. Et le trou de verre, l'accessoire de dos pour 2000 V-Bucks. Les surins étoilés, c'est sa pioche hippique pour 1200 V-Bucks. Les Celestia, c'est son petit planeur légendaire, donc pour 800 V-Bucks. Pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack soldat à jouer, donc avec la guerrière de plastique et ses trois customs, donc en tenue atypique, avec sa version Lego. Le petit soldat, donc en tenue atypique également, donc avec ses trois customs, comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego. Leur revêtement d'armes, donc ils ont trois revêtements d'armes, donc atypiques, plastique vert, plastique rouge et plastique gris, donc tout ça pour 1000 V-Bucks. Hors pack, vous avez la guerrière de plastique, donc en tenue atypique avec ses trois customs, ainsi que sa version Lego pour 800 V-Bucks. Le petit soldat, donc en tenue atypique, donc avec ses trois customs également, lui aussi, donc vous voyez actuellement à l'écran, donc avec ses trois customs. Et son petit soldat donc et sa version Lego pardon pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite vous avez soigné donc en tenue atypique avec ses deux customs et sa version Lego pour 800 V-Bucks. Jubilation c'est une petite emote atypique pour 200 V-Bucks. Dab c'est notre emote rare pour 500 V-Bucks. La macabra donc c'est une petite emote hippique donc pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez la dribbleuse qui fait son retour en tenue rare. Attention à ne pas marcher. Partie ensemble 5 majeurs, saison 4, premier chapitre. Donc, avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks. Subversive, donc en tenue atypique. Donc, partout où elle va, le chaos éclate. Partie ensemble flambeau, saison 1, chapitre 2. Donc, avec sa version Lego. Le tout pour 800 V-Bucks. Posky, donc Posky de guerre en tenue rare, faites-leur boire la tasse, c'est parti ensemble poissonnerie, saison 1, chapitre 2, donc avec ses trois customs, comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa version Lego, et Commando Corail, c'est son accessoire de dos rare, pour 1200 V-Bucks, Aigle, c'est une petite emote rare, pour 500 V-Bucks, Youpi, c'est une petite emote atypique, pour 200 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez toujours le retour du pack Ricornichon, donc avec Ricornichon, un accessoire de dos hippique. Avec l'armée des larbins, c'est l'écran de chargement atypique pour 500 V-Bucks. Le pack Mega Morty, donc avec Mega Morty en tenue hippique, avec son sac à dos de Morty, accessoire de dos hippique. Le serpent de l'espace, c'est sa pioche rare. Le Gas Swifty, c'est sa petite emote rare. Et pour finir, besoin d'un coup de main, c'est son revêtement d'armes rare, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Mega Morty en tenue hippique, avec son sac à dos de Morty pour 1500 V-Bucks, en hippique également. Le serpent pardon, de l'espace, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. La Ghost Safety, c'est son emote rare synchronisé, donc invitez les autres à vous suivre pour 500 V-Bucks. Besoin d'un coup de main, c'est son petit revêtement d'armes rare pour 500 V-Bucks également.
Ensuite, vous avez le pack Monsieur Larbin, donc avec Monsieur Larbin, tenue hippique, avec sa boîte à larbin, accessoire de dos hippique. Le katana invoqué, c'est sa pioche rare. L'apparition de Larbin, c'est son petit planeur rare, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Monsieur Larbin en tenue hippique, avec sa boîte à larbin, accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Le katana invoqué, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. L'apparition de Larbin, son petit planeur rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack Impératrice Summer, donc il fait son retour avec l'Impératrice Summer et ses deux customs en tenue hippique, avec son œuf de Glorzo qui est son accessoire de dos hippique. La fourchette viscérale, c'est sa pioche rare. Et pour finir, vous avez le vaisseau de combat de Glorzo qui est son petit planeur rare pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Impératrice Summer avec ses deux customs et son œuf de Glorzo en hippique pour 1500 V-Bucks. La fourchette viscérale, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Le vaisseau de combat de Glorzo, donc c'est son petit planeur rare pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack The Weeknd, donc avec The Weeknd, le Weeknd combattant, donc en version Fortnite, donc en tenue série icône, avec ses trois customs de base, comme vous voyez actuellement à l'écran. Donc, utilisez l'emote intégré du style blanc de la tenue Weeknd combattant pour qu'il enfile son masque, voilà, donc avec masqué qui est son emote intégré, donc qui est en série icône également. Le Xio, donc c'est son accessoire de dos, série icône. La HXIO, donc c'est sa pioche série icône également. La SOXIO, c'est son vêtement d'arme série icône. Le rythme tendance, donc c'est sa petite emote série icône avec la gratte XIO, la guitare et le clavier XIO, donc qui sont petits claviers. Tout ça pour 3500 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Weeknd combattant avec ses trois customs, avec son masqué, son emote intégré et XIO, l'accessoire de dos, le tout en série icône pour 1800 V-Bucks. La gratte XIO, donc c'est sa guitare pour 1000 V-Bucks. Le clavier XIO, donc son petit clavier pour 1000 V-Bucks également. Le rythme de tendance, c'est sa petite emote série icône pour 500 V-Bucks. La SXIO, donc c'est sa pioche série icône donc pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les pistes musicales, donc avec Buddy Holly, donc pour 500 V-Bucks. Voilà. Fortnite Festival et Battle Royale. Kendrick Lamar, donc avec la petite piste cyclable, donc petite cyclable musicale, pardon, en 2015, donc 3057, donc c'est Kendrick Lamar pour 500 V-Bucks. Et Emo Girl, donc Machine Gun Kelly Fatung Willow, donc nouvelle piste musicale pour 500 V-Bucks également. Donc le Counting Star, donc Honor Republic, donc pour 500 V-Bucks. Nothing Alright, donc Wish Gang, donc pour 500 V-Bucks. The Cherche, donc NF, pour 500 V-Bucks. Bad Romance, donc de Lady Gaga. Fortnite Festival et Battle Royale, pour 500 V-Bucks. Thunder, donc Imagine Dragon, donc pour 500 V-Bucks. Dirty Little Secret, donc The Wall American Reject, pour 500 V-Bucks. Take My Breath, donc The Weeknd, justement, pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, donc là, je les ai tous faits. Donc ensuite, vous avez Highway Tune, donc avec Guetta Van Fleet pour 500 V-Bucks. Cake by the Ocean, donc avec DNCE. Voilà. Pour 500 V-Bucks. The Hill, donc de The Weeknd, donc pour 500 V-Bucks également. Sidani IC, donc Keta Tunstall, donc pour 500 V-Bucks. Party Rock Anthem avec Lemin Fao, Fetrine Lauren Bennett et Goon Rock, donc je pense que tout le monde la connaît celle-ci. Party Rock Anthem pour 500 V-Bucks. Got With You The Flow avec Queen on the Stone Age pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Seven Nation Army avec The White Stripes pour 500 V-Bucks. Mr. Regicide The Killers pour 500 V-Bucks. Save Your Tears, donc ça c'est The Weeknd pour 500 V-Bucks. Grabbles, donc The Suburban pour 500 V-Bucks également. Vampire Olivia Rodrigo pour 500 V-Bucks. Bad Guy, donc avec Billy Eilish et Eilish, pardon, pour 500 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez le pack boîte à pizza, une batterie rare pour 1000 V-Bucks. Le néon urbain, donc c'est la petite basse pour Epic pour 1500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez la fête hivernale, donc avec le lutin Posky, donc en tenue rare. N'oublie pas mon petit vivier, pour la chanson Poisson Lutin, saison 5, chapitre 2, donc avec sa version Lego.
Et son casse-écaille qui est son accessoire de Dorar pour 1200 e-bucks. Les crochets festifs, c'est sa pioche atypique pour 500 e-bucks. Ensuite, vous avez Assaillante festif, donc avec ses deux customs. C'est uniquement la partie festive qui l'intéresse. C'est parti ensemble, branche givrée, saison 5, chapitre 2, donc avec ses deux styles au choix. En tenue rare, donc avec son version Lego. Et Joyeuse Hachette, c'est son accessoire de Dorar pour 1200 e-bucks. La Bonne Vieille Hache, c'est notre pioche. C'est sa deuxième pioche atypique pour 500 V-Bucks. La Toile des Cimes, c'est un petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Pro Dépente, donc en tenue rare. Donc, il a une sacrée descente. C'est parti ensemble Neige Fraîche, saison 5, chapitre 2. Donc, avec sa version Lego et le Pactage Alpin qui sont une sorte de rare pour 1200 V-Bucks. Les Lames de la Toundra, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. La Boule en tenue hippique qui fait son retour, donc avec ses deux customs. Sa version Lego et ornement qui sont une sorte de dos épique également, qui a deux customs lui aussi pour 1500 V-Bucks. La pioche du Nord, c'est sa pioche rare pour 1100 V-Bucks. L'épée légendaire de Divination, donc on la retrouve au royaume des ailes de l'Evolia. Donc, il partit ensemble quête mise à jour saison 1, chapitre 4. Donc, petite pioche atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez sur le pack Noël Horrible, donc avec Orge en tenue épique. Avec sa version Lego, le sucre acéré, c'est son accessoire de doigt atypique. Gentillette, donc en tenue rare et ses deux customs. Avec sa version Lego. Et pour finir, vous avez la fendeuse d'orge qui est la pioche atypique, tout ça pour 2100 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Orge en tenue hippique avec sa version Lego et son sucre acéré avec accessoire de doigt hippique pour 1500 V-Bucks. Gentillette en tenue rare, donc avec ses deux customs et sa version Lego pour 1200 V-Bucks. La fendeuse d'orge, leur pioche atypique pour 500 V-Bucks. Voilà. Et c'est tout. Donc là, il n'y a pas. Voilà, c'est tout pour la boutique de ce matin. Donc, sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 euros par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club. Des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au Club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium. Donc, grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez déjà la passe de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est la jeune osseuse en tenue atypique avec son sac crâneur d'esperte, accessoire de doigt atypique et la trancheuse éclaireuse, donc la pioche atypique, tout ça pour 12 euros par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, voilà. Donc sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager, ça aide vraiment, hein. Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner, tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code qui enflamme ton été, qui va réchauffer ton hiver, c'est le code de l'année, c'est le code brasier, en majuscule ou minuscule d'un bout de Fortnite, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez fouillé, et moi ça m'aide énormément. Et sur ce, moi je vous dis, on se retrouve demain donc pour notre Let's Play de Spider-Man 2, donc c'est la partie 7 ou 8, je ne sais plus, la partie 7 je crois. Voilà, enfin je ne sais plus, enfin tout ça, en tout cas c'est demain à partir de 18h sur ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et nous on se retrouve demain, bye bye!